Bonjour tout le monde, on est là de nouveau, je suis contente d'être là et avant tout je vais vous demander de m'excuser pour la semaine passée, j'ai pas été là, j'ai pas fait de vidéo la semaine passée, il y a beaucoup de monde qui le sait, la semaine passée c'était mon anniversaire et j'ai pris une semaine de congé complet que sans rien faire uniquement pour me relaxer. Donc, à cause de cette raison-là, je n'ai pas fait de vidéo et je vous demande de m'excuser de ne pas avoir fait. Mais aujourd'hui, je suis là pour le faire et faire d'une manière spéciale. Je vais ouvrir cette boîte. C'est un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu et c'est des angulos. Je suis passionnée par les angulos. J'ai reçu ce cadeau et je vais partager la ouverture de ce cadeau avec vous tous. Ça, c'est un cadeau que j'ai reçu de Jackie Orkflore. C'est une... Jackie Orkflore, c'est en Belgique, à Conti. Et ils ont donné ce cadeau pour mon anniversaire. On va ouvrir ensemble. Je vais vous partager tout ce bonheur. Et je vais vous expliquer quelque chose après qu'on ouvre ça. Je vais profiter pour vous expliquer quelque chose concernant une plante. Du moment qu'elle arrive chez vous, il ne faut jamais la rempoter. Donc, bon, moi personnellement, je ne le fais jamais et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, n'oubliez pas de laisser votre like, de partager avec vos amis cette vidéo, de s'inscrire au canal parce que ça va faire de bien pour moi et ça fait de bien pour vous. Et je vous remercie infiniment pour tout jusqu'à aujourd'hui. On va ouvrir la boîte ensemble maintenant. Bon, donc, ce sont des angulos. Ils savaient déjà que je suis passionnée par les angulos. Ils ont décidé de me donner ce cadeau. On va ouvrir ensemble. Oui, ça c'était le papier de la poste. Donc, on va ouvrir peut-être par là. Voilà. Je fais ça avec vous pour deux raisons. La première, parce que je veux partager ce bonheur avec vous autres, mais en même temps, parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à savoir. Quand vous achetez une plante ou quand vous conçoivez une plante, il y a des choses à savoir. Je sais que c'est le meilleur à faire et je vous partage cette connaissance, cette situation avec vous-même, avec vous autres. Bon, attends, je crois que c'est ici. Ça, c'est la partie facile. À la fin de la vidéo, je vais partager avec vous autres le link de Jackie Orkflore pour que vous pouvez aussi éventuellement acheter. Vous pouvez toujours acheter si vous voulez. C'est toujours facile d'acheter avec eux. Ils peuvent envoyer par la poste comme ils peuvent faire pour moi. Alors, là, ça c'est pour le froid, bien sûr, pour protéger la plante. On va voir. C'est bien emballé, hein? Il y a un bon grand papier. Il y a la mousse. Tout le monde sait que la mousse, c'est pour protéger contre le foin. Hein? Donc, il met toujours ça pour éviter que la plante ait de froid dans le trajet, parce que ça peut arriver que la poste prend trop longtemps pour arriver la commande jusqu'au client. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ça, le plastique, je suppose que c'est pour protéger que le produit qui est dedans, hein, ne tombe pas. Voilà. Donc, le plastique a le nom de la plante. Et là, c'est une grande plante, hein? Vous voyez ça? Énorme, avec trois grosses bulbes. Elles ont un peu basculé dans la boîte, mais elles sont en parfait état. Et elle a de nouvelles pousses. Là, je vois un nouveau bulbe qui vient. Et celle-là, c'est la
Angulocast surprise. Merveille. Je me mets beaucoup de trucs. Ça, c'est vraiment pour le froid. Ça, je savais d'avance. Ils font toujours telle manière avec ça pour le froid. Et ça, c'est vraiment, je suppose que c'est pour protéger vraiment le produit qui ne tombe pas. Et ça, voilà. Et celle-là aussi va. Elle est une grande plante, hein, en bonne santé. Elle a une nouvelle bulbe. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et ça, c'est Anguloa cliftoni malcloesi. C'est une super belle fleur, ça. Je suis très, très contente. Celle-là, c'est laquelle? Il y a beaucoup de papier, ça se voit. Et beaucoup de mousse aussi. Mais c'est bien emballé, ça se voit que c'est très bien emballé, c'est bien protégé contre le froid, protégé que le substrat. Quand on enlève ça, je sens que le substrat c'est encore humide, ça vous dit donc que le plastique aide bien la humidité. Et voilà, celle-là aussi a une nouvelle bulbe aussi, et elle a 5 bulbes, ça c'est aussi une bonne plante. Et ça c'est les Angulo virginalis. Oh, elles sont merveilleusement le Vichy. C'est vraiment bon. Ça, je connais bien celle-là. Je suis contente. Il y a encore la quatrième. Oh, 4 plantes merveilleuses. Voilà, encore une. Voilà. Ici avec le plastique. Celle-ci, c'est la plus belle. C'est l'Angulova Dubia. C'est un croisement naturel. C'est botanique, donc. Hein? C'est Angulova Dubia. Elle est merveilleuse. Celle-là, je connais aussi. Oh, c'est une chère, celle-là. J'ai aussi une merveilleuse. Oh, regarde. C'est super. Et voilà, donc, c'est fini. J'ai eu tout. Donc, on a 3 angulos, ça c'est angulo aussi, ils sont très grandes, hein? Ça c'est aussi, non, ça c'est angulocast, non, angulo, celle-ci c'est un angulocast, regarde la taille de celle-ci, super, et ça c'est le surprise, angulocast surprise, elle est merveilleuse, rouge, super, c'est la couleur que j'aime. Et voilà, bon, donc tous les cartes sont là. J'ai fait exprès d'ouvrir avec vous autres pour que je peux vous expliquer un détail très important. Une plante, quand vous recevez une plante, qu'elle vient par la poste ou quelque chose comme ça, il ne faut jamais la rempoter quand elle arrive. Quand vous recevez, je parle des orchidées, bien sûr, parce que normalement, il faut toujours rempoter une orchidée quand vous la reçoivez, mais jamais le moment qu'elle arrive. Il faut attendre au minimum une semaine pour la rempoter. Pourquoi? Parce qu'elle doit prendre une semaine pour s'adapter à la nouvelle place, la nouvelle ambiance qu'elle va être. Et après une semaine, parce qu'elle va souffrir déjà de passer d'une place à l'autre, donc elle prend beaucoup de force pour se redémarrer dans la nouvelle place, température, climat, tout, elle va prendre trop de temps pour ça. Donc il faut attendre que une semaine passe et après vous changez le substrat. Parce qu'alors là, elle va souffrir de nouveau pour se redémarrer dans le nouveau substrat. Donc c'est 2 fois qu'elle va souffrir. Donc au lieu de faire le jour qu'elle arrive, pour qu'elle ne souffre pas 2 fois ensemble, vous attendez une semaine et alors vous pouvez rempoter, mettre le substrat qu'il faut. Les angulos, c'est une plante de habitat froid. Elle peut être au chaud, bien sûr, mais elle peut aussi survivre jusqu'à 3 degrés. Et c'est une plante
que doit être toujours humide. Elle ne doit pas avoir pied dans l'eau, mais elle doit être toujours humide. Que quand vous touchez là, elle est humide. Donc, le meilleur substrat, c'est le sphagnum ou quelque chose qui se ressemble au sphagnum qui va garder assez d'humidité à la plante. Et c'est une plante qu'il faut jamais s'inquiéter avec la température. Si la température n'est pas plus bas que 3 degrés, mais jusqu'à 3 degrés, elle est parfaite, elle va vivre parfaitement bien. Et si elle est bien soignée, elle peut donner des fleurs même 2 fois par an. Et les anglos sont tous des plantes qui ça sent très, très, très bon. En tout cas, toutes celles-ci, ça sent. Les virginales, c'est celles que ça sent beaucoup plus fort. Et je suis très, très, très contente d'avoir eu ces plantes. Merci, Jacques Yorkflore. Merci d'avoir donné ce cadeau-là. Je suis très, très contente. Et voilà, c'était ça que je voulais vous faire connaître. Je voulais ouvrir avec vous autres pour que vous puissiez connaître qu'il ne faut jamais rempoter directement quand vous le recevez. Attendez une semaine pour le rempoter. J'espère que vous avez bien compris, que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et on se voit à la semaine prochaine. Et bon, comme je vous avais dit, la semaine passée, c'était mon anniversaire, c'était 50 ans. Donc, c'est normal que j'ai pris une semaine de congé. Et je vous demande encore une fois de m'excuser de ne pas avoir fait une vidéo. Et à la prochaine, on se voit de nouveau, le prochain vidéo, la semaine prochaine. OK? Alors, merci à tous d'avoir suivi, de m'avoir vu. Et n'oubliez pas de laisser votre like, de partager avec vos amis. Et de s'inscrire au canal. D'accord? On se voit de nouveau la semaine prochaine. Et j'espère que je vais avoir beaucoup plus de belles choses à vous montrer. Parce qu'il y a beaucoup de plantes ici qui sont en train d'ouvrir les fleurs. Et je vais partager tout ça avec vous. Ok? À la semaine prochaine. Au revoir.